gamin qui va me couper la parole. Il est bien énervé là aujourd'hui. Bah oui, ça commence déjà. Tiki. Hé, Tiki. Tu te tais. Hein? Chut. Ouais. Allez. J'ai froid là. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. Bah oui, il n'y a plus qu'une vidéo par mois où je fais de la facecam maintenant. Enfin bref, du coup, et bien aujourd'hui je vais te montrer les créations que j'ai réalisées au mois d'août. Mais comme le mois dernier, je triche un petit peu parce que au mois d'août, j'ai pas eu le temps de faire grand chose non plus. Donc il y a certaines créations qui ont commencé début septembre. On dira rien, hein. Donc comme d'habitude, comme tous les mois, les créations que je... Tu te tais toi, que je vais te présenter, tu pourras les retrouver directement sur ma boutique et le lien est en barre d'infos ainsi que tous mes autres réseaux sociaux. Mais bien sûr, je dis ça, je dis rien. Voilà. Le petit avantage ce mois-ci, au mois d'août, je me suis comprise, hein, dans les créations que je vais te montrer là, tout simplement, et ben j'ai rien eu à poncer. Alors moi je suis contente. Ça fait du bien quand tu n'as pas besoin de poncer, hein. C'est génial. Parce qu'en fait j'ai réalisé, oui, alors je te dis tout de suite, dans cette vidéo là je vais te présenter que des petites mademoiselles, que j'ai réalisé que ça. Donc si tu t'attends à avoir des créations, des bijoux, je sais pas comment t'appelles ça, et ben c'est pas dans cette vidéo là que t'auras ça. Non, là dans cette vidéo je vais te montrer que des petites mademoiselles. Ouais, il y en a, j'ai du mal à les appeler mademoiselles, hein. Tu comprendras quand tu les verras. Moi j'appelle pas ça des mademoiselles. Bon bref, là n'est pas le sujet. Donc, ouais, du coup dans cette les créations que j'ai réalisées, ce n'est que du modelage à 100%. C'est que du modelage. C'est pas des bijoux sophistiques, non. Je sais pas comment je peux dire. Non, bref, c'est que du modelage, que des petites mademoiselles. Voilà, j'ai rien fait d'autre. J'ai fait que ça. Et du coup, j'ai fait aucun tuto. Parce que ce genre de bijoux là, ça vous intéresse pas en tuto. Donc bah j'en fais pas. Voilà. Mais je les ai quand même réalisés sur mon compte TikTok. J'aime bien sur TikTok, c'est rigolo. Bon, après, le problème des vidéos, ça dure entre 15 secondes et 1 minute. Enfin, 3 secondes et 1 minute. Donc les tutos, c'est pas des vrais tutos. Hein. C'est vite fait bâclé, quoi. Mais j'ai quand même fait des petites... presque sur chaque bijou que je vais te présenter là, et ben y aura une vidéo TikTok. Voilà. Et tu peux aussi le retrouver en barre d'infos. Enfin, je crois que je peux pas mettre le lien du compte TikTok. Mais bon, je suis facile à retrouver, hein, j'ai le même pseudo partout. Pas de prise de tête. Voilà. Et voilà. Et le voilà est de retour. Moi j'essaye de faire vite parce que là ma fille elle va... Oui, elle arrive dans 5 minutes. Alors il faut que je me dépêche. Sur mon compte TikTok, je précise, je partage énormément de choses sur la polymère, sur la Fimo. Parce que moi je travaille que avec la Fimo. Mais il y a d'autres petites vidéos drôles, si je peux dire ça. Ou, comment dire... Bon, on voit un peu mes animaux aussi, je fais quelques vidéos sur eux. Mais moi-même, j'aime bien me mettre en spectacle. Et c'est pas jojo à voir. Alors si tu veux te fondre la poire pour te foutre de ma gueule, eh ben vas-y. Non, sinon je fais, oui, j'ai fait pas mal de petites vidéos sur la Fimo, sur mon TikTok. Mais bien évidemment, encore une fois, je dis ça, si tu dis rien, tu fais ce que tu veux. Abonne-toi, commente, active la cloche. Mais c'est quoi ces gens, les héros? Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent même. D'où tu leur donnes des ordres, toi, t'es taré? Ah, ça m'énerve ceux-là, les gens qui font leur pub, j'ai horreur de ça. J'ai jamais fait ma pub pour ma chaîne YouTube. Jamais. J'aime pas ça. Les gens qui sont venus me voir, ils sont venus par eux-mêmes. Je suis jamais allée les chercher. Et bam, dans ta goule. Moi, je cours pas, moi. Moi, j'attends que ça vienne. Venez tout seul. Ouais. Bref. Voilà. Un petit clin d'œil pour Fanny au passage. T'inquiète pas, je pense à toi. Ce que tu m'as demandé, je vais le faire très vite. Là. Dans la semaine qui va arriver, je vais m'y coller. Je te promets, moi, j'ai qu'une parole. Je tiens toujours mes promesses. Donc, ouais. Là, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais j'étais vraiment partie dans le modelage à fond, j'étais plongée là-dedans. J'ai pas eu le temps de faire le reste. Je suis pas gentille.
Mais je vais m'y coller. J'ai qu'une parole, t'inquiète. Alors, une toute seule petite mère. Oh la pauvre. Elle est grande maintenant. Bon, bref, ce que je voulais dire aussi, c'est que mes petits personnages, mes petites mademoiselles et tout le tralala, ce ne sont que des simples pendentifs. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. J'ai pas envie de monter le bijou, je préfère que ce soit toi qui décides ce que tu veux comme bijou. Collier, rat-de-cou, sautoir, porte-clés, marque-page. Je m'adapte à toi. Et le prix reste le même. Après, bien évidemment, c'est selon stock disponible, hein, parce que j'ai pas un stock. Donc je fais avec. Voilà. Même si tu veux un collier, je peux mettre sur de la chaîne Whoopie ou de la chaîne maille ou sur du ruban en satin, en organza, en suédine. Enfin bref, je m'adapte à toi. Tu me dis si tu veux que j'ajoute des perles ou que j'en enlève, si tu veux ci, si tu veux ça. Je m'adapte. Il n'y a pas de problème. Et il n'y a aucun frais supplémentaire. Donc c'est cool. Non? Bon, morceau. Pour l'instant, c'est qu'un simple pendentif. Et toi, tu en fais ce que tu veux. Tu me le dis. Tu me dis ça en commentaire quand tu passes commande, ou je sais pas quoi, enfin bref. Et puis je fais ce que tu veux. Alors là, j'ai déjà mis la bélière sur chacun des petites créations, mais si tu veux que je l'enlève, eh ben, je l'enlève. Il n'y a pas de problème. Donc c'est parti, je vais arrêter mon blabla et je vais te montrer tout de suite les créations. Il y en a 13 au total et c'est un chiffre que je n'aime pas du tout. Mais bon, bref, j'ai fait 13 petites mademoiselles. Voilà. Donc je te les. Par étape, j'ai des mademoiselles classiques, toutes simples. J'ai fait des sirènes, des fées et des... C'est là que je disais, des mademoiselles entre guillemets de l'univers de Disney. C'est pas des princesses, non. J'ai fait les méchantes de Disney. C'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire depuis une éternité. Je voulais faire les méchantes dans Disney et j'ai jamais eu le courage. Et bah je comprends pourquoi. Oh mon dieu, j'ai galéré. Mais j'ai galéré. J'ai passé un temps monstre sur ces persos là, oui. Ah c'était horrible. Oh. Et bon, je suis assez fière de moi. Je me lance un petit bouquet de fleurs. C'est rare quand j'aime bien ce que je fais, mais là je suis plutôt contente. Mais c'était très long et très dur. J'en voyais pas le bout, c'était horrible. Mais ouais, je suis quand même contente. Hein. Je vais pas te dire le nom de ces petits personnages-là et tu me diras en commentaire si t'es motivée à le faire, bien évidemment. Est-ce que tu les auras reconnus? Parce que forcément, c'est pas la réplique exacte. Hein. Je suis pas une professionnelle. Hein. Mais j'ai essayé de faire de mon mieux, de se rapprocher du plus possible de la réalité. Mais c'est plutôt des caricatures, quoi. Hein. Faut se l'avouer. Mais je suis quand même contente. Bon bref, du coup, j'arrête de parler et je te balance tout de suite tout en pleine tronche. Voilà. Comme ça, moi j'arrête de parler, j'ai fini mon boulot et je te laisse admirer. Enfin, admirer. Pourquoi j'ai sorti ce mot de base, quoi? Je te laisse regarder les créations que j'ai réalisées. Les 13 créations. Les 13 mademoiselles. Et puis, bon voilà. C'est tout. Thank you.
est en pleine figure maîtresse création du mois d'août. Donc, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. J'aimerais bien avoir des retours positifs, négatifs. Moi, je m'en fous, je prends tout. Du moment que c'est constructif, il n'y a pas de problème. Ouais, là, je suis plutôt contente, je trouve que je me suis quand même pas mal améliorée. Alors, j'aimerais bien savoir si je me voile la face ou pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bref, du coup, j'espère quand même, parce qu'on va couper quoi cette vidéo, c'est fini, on a fait tout le tour, donc on arrête là, hein. Pourquoi de... Donc j'espère sincèrement que cette petite vidéo t'a plu, t'aura plu, va te plaire. Bah non, c'est déjà fini, donc j'espère qu'elle t'aura plu. Bah oui, voilà, c'est mieux comme ça. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire, comme d'habitude, et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs, comme d'habitude. Et puis bah voilà, en attendant, moi je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Il y aura plein de vidéos de gags dans cette vidéo. Ça a été tellement rapide que j'ai pas eu le temps de dire des conneries. C'est dingue ça, merde. Bon bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Et voilà.